Bonjour, Yannick de la concession TPL à Narbonne. Donc bienvenue sur TPL TV. Je vais vous présenter le P696U de chez Pilote en expression. Donc ici vous avez la cassette des toilettes. Comme ceci. Avec. On peut se promener avec si on veut. C'est pratique. Le remplissage de l'eau, la soute avec une touchette extérieure, la station multimédia est là, donc cette partie là peut s'enlever pour faire une plus grande soute, mais on va pouvoir voir qu'avec le salon ça va être compliqué. Donc une grande vitre à l'arrière, ça c'est très sympa quand on est au salon avec l'apéro pour voir la mer derrière. Caméra de recul. Ici vous avez les bouteilles de gaz avec un chargement très bas, donc ça c'est très pratique, on n'a pas besoin de soulever beaucoup de poids. Un tiroir bas de caisse pour ranger tuyaux, fils, cales, etc. Ici le branchement électrique. On est sur un porteur Citroën, 2 litres 2, 140 chevaux, avec des jantes alu. Ici, marche-pied électrique. Sticker. À l'entrée ici, on a un petit meuble à chaussures, sympa quand on rentre. Après, plein de petits rangements ici. L'autre ici, alors on ne le voit pas bien. Hop. Ici, un petit fauteuil pour enlever les chaussures. Vous voyez, un petit rangement. Hop. Là, on a un support télé avec la télé. Donc il peut être vu là dans l'énorme salon qu'on a ici. On a des rangements partout ici. Donc toujours pareil, les grandes fenêtres. Donc ça c'est sympa quand on est là. On a une super vue partout. Donc là je l'ai mis en mode table basse, mais on peut le relever si on veut. Hop. On va voir la grande table ici. Manger à 8, 10 à peu près. Je le redescends pour le lit tout à l'heure. Donc ici on a des prises 220 USB et allume-cigare, un évier, hop, un petit range condiment ici, ici deux feux avec un piezo pour l'allumer, toujours du rangement ici, des tiroirs partout. Donc ça c'est très pratique aussi. Ici. Là, frigo avec un congélateur. Un petit tiroir dessous avec le frost control dessous pour l'eau. Un grand placard où c'est qu'on peut mettre un micro-ondes si on a envie. Hop. Et là, la partie salle de bain avec une grande douche, un interno qui s'ouvre ici, la paroi de douche, hop, deux morceaux comme ça, aimantés. Donc ça, c'est sympa aussi. Une énorme penderie là, double avec deux hauteurs. Ici, on a la possibilité de ranger tout ce qui est plié, et là en haut tout ce qui robe, veste, etc. Et l'accès à la batterie, toute la partie technique, électrique, batterie. Alors hop, ici WC avec la trappe d'ouverture ici, orientable comme ça. Ici on a la chasse d'eau avec le niveau de la cassette ainsi que le bouton pour la chasse d'eau. Ça c'est pratique aussi dans la salle de bain, une prise de 220 pour se raser, pour le sèche-cheveux quand on est branché au 220. Oui. Un autre rangement ici, lavabo, un autre rangement ici. Après on peut fermer la cloison ici de la partie conducteur. Et au revoir Camille. Et la partie ici pour être bien isolé dans la douche et la salle de bain. Super.
et là la partie conduite. Hop. Donc on a une grosse station multimédia avec prise USB, clim, commande au volant pour l'autoradio et la radio, déco cuir sur le volant, l'estorquissé devant pour occulter le pare-brise, et la même chose ici sur le côté. Parfait. Donc niveau prestation, on est quand même dans du haut de gamme. Maintenant, on va voir la descente du lit. Il fait quelle taille à peu près le lit ? Alors, il fait 150 par 190. Alors, on peut le descendre soit à cette hauteur si on ne veut pas toucher au coussin. Sinon, on est obligé d'enlever tous les coussins d'ici, tout le tour, pour pouvoir descendre le lit à cette hauteur-là. D'accord, donc sur la table. Le plus bas possible, ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de manipulation pour juste descendre le lit. Alors que là, on a une échelle ici qui permet de monter dans le lit et de l'avoir à une hauteur correcte. Yop. Et voilà. Super. Deux petites questions, il fait combien en taille ce véhicule ? 6,99 m. 6,99 m. Et okay. 2,30 m de large et 2,90 m de haut. Ok, super. Et on le retrouve à quel prix ? 79 000 €. Ok, super. Et du coup, juste pour terminer, on te retrouve où, Yannick ? À la concession de TPL à Narbonne. Super, à bientôt. À bientôt.